Alors c'est Amadeus, végé humanimal, je suis activiste antispéciste vegan. Alors on est ici pour dénoncer en fait une réelle hypocrisie. C'est l'hypocrisie du salon de l'agriculture. Cette hypocrisie, c'est un peu la même que notre société et que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on nous montre des beaux animaux, tout propres, qu'on a envie de cajoler. On nous montre des beaux produits finis, bien emballés, tout propres. Et en fait, on a complètement occulté ce qui se passe au milieu. Et ce qui se passe au milieu, malheureusement, c'est du sang. C'est des animaux qui sont abattus, égorgés, démembrés. Et bien nous, on est venus ici pour le remontrer, pour que les gens en prennent conscience. Si on veut avoir des jolis animaux et des beaux produits, il y a ça entre les deux, obligatoirement. Donc notre action, ça va être de faire une action pacifique, non violente. On va montrer des pancartes, on va essayer de sensibiliser les gens. On va montrer, on aura du sang sur nous pour montrer que, voilà, il y a la mort, il y a du sang. Il ne faut pas l'oublier, le salon de l'agriculture, c'est également du sang. Nous, nous sommes véganes parce qu'il n'y a pas de, il n'y aura jamais de sang sans un régime végan, même dans un régime végétarien, malheureusement. Il y a des poussins qui sont broyés, les poules pondeuses sont décapitées au bout d'un an, et quelques mois. Les veaux sont retirés de leur maman et sont tués pour le lait. Donc nous sommes végans. Nous rejoindre pour travailler en brigade. C'est un beau débat. Pacifiste, tout à fait, juste en dénonçant cette hypocrisie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, c'était sans cri pour pas affoler les animaux, bien sûr. C'était juste montrer des panneaux en disant que c'est un meurtre, bien sûr, parce que tuer des animaux, c'est évident. Et puis là, les vigiles sont arrivés. Je ne les ai même pas vus arriver, en fait. Il m'a attrapé à bras le corps en me poussant violemment et en me disant « avance !» Quand je leur ai demandé d'attendre un peu, d'aller un peu moins vite, ils m'ont dit « non, on te fout dehors et c'est tout. »